Au début de l'admiration, la couleur rouge, les beaux camions. Par besoin d'action ou vocation, j'ai suivi cette orientation. Je n'ai pas pu en faire mon métier, je serai pompier volontaire. Avec les pros, c'est la confiance. On s'estime, on se respecte. Ils nous apportent leur expérience. Nous sommes tous des militaires. Les contraintes physiques et morales sont les mêmes, on les accepte. Il n'y a pas que les balles du 14 juillet, les calendriers de fin d'année. Pas non plus que le pimpon des sirènes, le casque étincelant et son emblème. Surtout sauver les gens, être là pour les secourir, affronter les épreuves bravement, la devise sauver ou périr. La nuit, le jour, on est de garde, matériel, véhicule, fin prêt, les équipes faites par compétence, pas de place pour l'à peu près. Le bip qui sonne au CTA déclenche une intervention. Avec les moyens, les effectifs adaptés à la situation. Concentré quand tout démarre, on s'interdit d'avoir peur. Le risque en tête toujours présent, on n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas que les balles du 14 juillet, les calendriers de fin d'année. Pas non plus que le pimpon des sirènes, le casque étincelant et son emblème. Il faut surtout sauver les gens, être là pour les secourir, affronter les épreuves bravement, la devise sauver ou périr. Accepter que son conjoint soit pompier, c'est être volontaire aussi. Week-end, vie de famille, sacrifier la solitude le soir, la nuit. Quand j'ai cru que j'allais mourir, cerné par la fumée,